Le plus souvent, tout commence par les premiers soins. Les jeunes dans les écoles et les collèges s'organisent facilement. Ils sont pleins d'énergie et toujours en quête de nouvelles activités. Les premiers soins suscitent l'intérêt de la meilleure façon qui soit, en offrant l'occasion de faire quelque chose pour les autres. En faisant partager et mieux comprendre les besoins des autres, les premiers soins ouvrent un terrain d'action sans limite. En effet, rapprocher les individus et les peuples, en suscitant l'intérêt et en encourageant la participation, c'est là un défi d'envergure mondiale. Unis, la Croix-Rouge de la jeunesse regroupe quelque 80 millions de membres, soit assurément l'une des ressources humaines les plus considérables dont dispose une organisation mondiale. Des liens étroits ont déjà été tissés. À la Jamaïque, des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse apprennent des techniques de secourisme à l'aide d'un mannequin donné par la Croix-Rouge de Norvège. Les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse polonaise sont également en relation avec la Jamaïque, où la Société nationale possède un centre de formation situé dans la baie même où Christophe Colomb arriva en 1494. Mais ce centre est aujourd'hui encore dépourvu de logements. Aussi, les jeunes Jamaïcains ont-ils installé provisoirement des tentes envoyées par les jeunes Polonais de façon à pouvoir demeurer quelques jours dans leur propre centre où ils reçoivent, entre autres, des cours de sécurité nautique dispensés par des instructeurs Croix-Rouge qualifiés. Parmi les groupes de la jeunesse du Canada, des appels sont régulièrement lancés en vue de soutenir des projets de la Croix-Rouge de la jeunesse à travers le monde. L'un de ces projets, à la Barbade, est destiné aux enfants handicapés. Des volontaires locaux de la Croix-Rouge, formés eux-mêmes dans le cadre d'un cours international aux États-Unis, consacrent leur temps libre à des enfants d'une île des Caraïbes, des enfants qui, sans eux, n'auraient eu que très peu de chances de jouir du monde qui les entoure. En Afrique, des dispensaires de soins aux mères et aux enfants sont équipés de pèse-bébés envoyés par la Croix-Rouge de la jeunesse néo-zélandaise. Ainsi, dans une petite mesure, sont posées les bases d'une participation de la Croix-Rouge aux programmes importants de soins de santé primaire. Ces activités caractéristiques de la coopération de tous les jours au sein de la Croix-Rouge s'inscrivent dans le cadre des mini-projets, une initiative lancée par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge en 1978. Aujourd'hui, après l'adoption par 22 sociétés donatrices de quelque 96 mini-projets réalisés dans 46 pays, les projets de la jeunesse ne sont plus mini. La Croix-Rouge est en effet confrontée aux défis posés par l'éducation et le développement à une échelle plus importante que jamais. Avec l'approche de l'année internationale de la jeunesse en 1985, il faut appliquer ces trois thèmes complémentaires à des problèmes sociaux d'envergure mondiale que même les plus jeunes ne peuvent pas ignorer. Il y a des choses que l'on n'apprend jamais trop tôt. Par exemple, ce qui concerne la vie de famille et la santé. L'éducation à la vie familiale consiste dans le développement du sens des responsabilités envers le mariage et les enfants, envers les liens de famille et les rôles individuels dans la communauté, envers les prises de décision dans un monde qui offre à tous un choix toujours plus large. Dans de nombreux pays, plus de la moitié de la population est âgée de moins de 16 ans. L'expansion démographique et les pressions subies par la cellule familiale constitue un défi qui doit être relevé immédiatement et avec la plus grande énergie.
Dans les bidonvilles et les ghettos des métropoles, beaucoup de jeunes n'ont même plus de vie de famille. La rue, la misère, la violence, la drogue, c'est souvent leur seul univers. Ainsi, à Bogota, en Colombie, de nombreux jeunes sont livrés à eux-mêmes sans toit ni foyer. Ils sont los gamines, des gamins âgés de 8 à 18 ans, fugueurs, délinquants, mal aimés. Au fil des ans, les gamines ont créé une société à part, refusant toute autorité, vivant dans leur propre monde, vivant d'expédients. Mais Bogota est aussi le siège de la Croix-Rouge colombienne, dont les jeunes membres ont trouvé le moyen d'atteindre ces déshérités, jusqu'alors intraitables, en les rencontrant sur leur propre terrain. Aujourd'hui, dans le cadre d'un projet international de la jeunesse, la Croix-Rouge colombienne est à pied d'œuvre, offrant, souvent au milieu de la nuit, une assistance médicale bénévole à tous ceux qui la désirent. Grâce à une ambulance et à un centre bien équipé et doté d'un personnel compétent, les gamines peuvent, pour la première fois depuis des années, compter avec des gens qui se soucient d'eux. Mais la Croix-Rouge ne se soucie pas uniquement des gens. En Espagne, organiser des camps d'été et des vacances pour les jeunes citadins est une activité régulière de la Croix-Rouge espagnole. Pourtant, ces camps ne sont pas seulement récréatifs. Les membres de la jeunesse ont relevé le défi de la protection de l'environnement, défi que l'on néglige au péril de tous. Les camps d'été fournissent une occasion importante d'apprendre le respect de l'environnement et sa protection, ainsi que d'encourager les autres à faire de même. Dans certains pays, l'environnement présente des problèmes d'une urgence plus particulière. Dans la région du Sahel, des années de sécheresse et de déboisement ont provoqué une catastrophe à long terme pour beaucoup de gens en Afrique. En Mauritanie, le Croissant Rouge s'est mis en première ligne dans la lutte contre les effets de ce désastre. Les membres de la jeunesse sont formés pour jouer un rôle prédominant contre la faim, la soif, la maladie et le dénuement. Avec un soutien international, mais surtout grâce à leurs propres initiatives dynamiques, les groupes de la jeunesse Croissant Rouge se mettent à créer des jardins et des poulaillers. On leur apprend des techniques de soins de santé primaire, comme celles consistant à assurer la propreté de l'eau. Techniques qu'ils peuvent mettre en pratique dans leur propre communauté. En Mauritanie, le Croissant Rouge de la jeunesse est un élément indispensable au développement national. La participation à des projets de développement national ou international intéresse des groupes de plus en plus jeunes.
Les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse se réunissent régulièrement pour discuter des possibilités de participer à d'autres projets dans le monde et s'efforcent de réunir les fonds nécessaires. Dans les programmes scolaires, les connaissances relatives au développement prennent une importance toujours plus grande. Et c'est d'ailleurs souvent dans les écoles que les groupes de la Croix-Rouge de la jeunesse sont les mieux organisés. Mais les écoles sont dans la possibilité de résoudre les problèmes de la plupart des enfants. En effet, plus de la moitié des enfants dans le monde ne poursuivent guère leurs études au-delà de quelques années d'école primaire. Même pour ceux qui ont la possibilité de faire des études, l'avenir est de plus en plus incertain. L'enseignement scolaire n'a souvent que peu de rapport avec les besoins réels du monde extérieur. Même lorsque des enseignements vraiment pratiques sont dispensés, et ce n'est que trop rarement le cas, les jeunes qui terminent leurs études sont de plus en plus menacés par le spectre du chômage, qui constitue sans doute le plus grave problème de cette décennie. Le fait de quitter l'école était autrefois considéré comme un défi, comme une entrée fracassante dans le monde actif. Aujourd'hui, ce défi paraît sans issue pour ceux qui doivent affronter la réalité quotidienne sans les qualifications et compétences qu'exige le monde moderne, et en particulier pour les filles dont le désir de s'intégrer à une société industrialisée en pleine expansion demeure souvent sans lendemain. La Croix-Rouge s'efforce d'agir aussi dans ce domaine. Les programmes de formation extrascolaire permettent d'acquérir des compétences pratiques assurant l'existence dans l'immédiat et dans le futur. Les cours de formation professionnelle organisés par des groupes de la Croix-Rouge de la jeunesse constituent un moyen économique et efficace d'aider ceux que le système scolaire a délaissés. Car la jeunesse hors de l'école, sans qualification ni emploi, représente une part croissante des victimes de l'expansion industrielle impitoyable. La formation professionnelle doit être adaptée aux besoins les plus essentiels. Elle doit répondre aux exigences spécifiques du moment. Une flexibilité est également indispensable vis-à-vis de l'environnement. Ce qui est bon pour la ville ne s'applique pas nécessairement aux régions rurales. Le recours à des volontaires locaux et l'observation attentive des conditions locales sont les meilleures garanties de solutions réalistes. Les jeunes volontaires de la Croix-Rouge disposent souvent de qualifications aussi nombreuses que variées. Les étudiants des facultés de médecine sont fréquemment en mesure de mettre leur expérience croissante au service des programmes de santé, particulièrement dans les nombreuses régions rurales du monde où le personnel médical qualifié est rare. Alors que les adultes s'inventent trop de bonnes excuses pour remettre au lendemain certaines actions des intéressés, les jeunes, eux, trouvent facilement le temps et l'énergie nécessaires à leur accomplissement, contribuant ainsi à leur propre éducation. Il n'est jamais trop tôt pour apporter son concours à des programmes de nutrition ou de secours, et la participation à ces activités permet une meilleure compréhension et un engagement à long terme. Travailler pour les autres devrait vouloir dire travailler pour la paix. Toute action bénévole accomplie par les membres des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est par définition un geste au service de la paix, peu importe que cette action ait un rapport avec la guerre ou non. La paix signifie bien davantage que l'absence de guerre. C'est le mouvement incessant des idées qui parlent d'une humanité unie.
la diffusion constante de cette croyance essentielle de la Croix-Rouge, selon laquelle chaque action, chaque individu est un élément d'un même univers, dépendant étroitement de tous les autres. Apprendre à aider ceux qui sont dans le besoin, c'est le premier pas sur le chemin de la paix. Car la paix ignore les frontières, la coopération diminue les risques de conflit. Cet idéal est la base des activités auxquelles tous les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse prennent part dans le monde entier. Canaliser ainsi les énergies des jeunes est une des tâches fondamentales du mouvement de la Croix-Rouge. À cet égard, la Croix-Rouge part assurément d'un bon pied, car l'idéalisme est par excellence le domaine de la jeunesse, et la Croix-Rouge lui offre un champ d'action pratiquement illimité. Apprendre à s'intéresser aux autres est un idéal universel qui ne saurait être limité par des considérations culturelles ou sociales. Selon toute vraisemblance, les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes du monde entier ne vont pas se simplifier avec l'approche de l'année internationale de la jeunesse. Quoi qu'il en soit, les voies préconisées de longue date par la Croix-Rouge demeurent dans les grandes lignes inchangées. Agir en s'unissant. À travers tous les liens qui séparent la Croix-Rouge, c'est le point de départ de la compréhension. Comprendre les autres, leurs besoins et leurs préoccupations, c'est emprunter le meilleur chemin possible vers un avenir toujours incertain. Les jeunes communiquent souvent avec plus de facilité que leurs aînés. Il se peut qu'ils aient autant à enseigner qu'à apprendre. La Croix-Rouge de la jeunesse, autant par ses activités traditionnelles que nouvelles, constitue la plus grande ressource du mouvement. Et la jeunesse ne cesse de grandir.